Ben T'as vu que t'avais reçu du courrier? non. Jo, tu m'aimes? Ben oui, je t'aime. Bon, moi aussi. Pourquoi tu me demandes ça? Non, comme ça. Ah, Guillaume, t'oublieras pas de faire la vaisselle. Non, mais je dis ça parce que le lieu commun le plus tenace à propos des écrivains, c'est qu'on vit d'amour et d'eau fraîche. Et bien fraîche. Ouais, mais bon, ça suffit pas, hein. L'amour et l'eau fraîche, c'est bon pour les poètes, hein, pas pour les écrivains. On a notre loyer à payer, on doit faire les courses au supermarché comme tous les gros cons, on doit s'habiller, il y a le téléphone, le gaz, l'électricité. Ouais, ça va, je rigolais pour les poètes, hein. C'est pareil pour les poètes. Alors, le courrier. Ah ben, en parlant d'électricité. €49,26. Bon, et ça. Yes! Grande nouvelle. Je crois que c'est mes droits d'auteur de chez Milan. C'est un de mes éditeurs. Ça va, Guillaume? Ouais, non, c'est parce que j'ai reçu mes droits d'auteur de chez Milan. Non, mais attends, j'ai même pas regardé combien c'était. Alors. €50,07. Et ça, c'est pour un an, hein. C'est mes droits d'auteur de 2013, que je reçois en 2014, évidemment. Un an après, j'ai 4 livres chez Milan. Bon, ils sont un peu vieux, d'accord, mais bon. Voilà, €50,07. €50,07. Moins les €49,26 d'électricité, ça fait 81 centimes. Je peux même pas m'acheter une ramette de papier avec ça. Si je rajoute 40 centimes de ma poche, je peux toujours me payer un paquet de feuilles à rouler. Bon, le format, c'est pas idéal pour écrire, mais enfin, vu ce que me rapportent mes droits d'auteur, je pense que pour mon prochain manuscrit, ça suffira. Enfin, je vais au moins m'en servir pour remercier mon éditeur. Hop. J'ai pas oublié l'adresse. On va glisser le petit mot dedans. Et voilà. J'ai pas mis de timbre, hein. J'ai pas les moyens. Quand on a l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire.